Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivrez. On avait promis, lors du dernier Profondeur, que nous reviendrons sur un titre bien déterminé. Eh bien, aujourd'hui, on fait un Profondeur spécial scientifique au cours duquel nous vous parlerons de la problématique de l'industrie verte. Et je vais pour cela, vous avez lu au passage du générique le professeur Jean-Marie Béakamba, qui est professeur en électricité, le professeur Kassongo Numbi, qui est hydrogéologue. Monsieur Jean-Marie Béa, bonsoir et bonjour. Bonsoir. Monsieur Kassongo Numbi, bonsoir et bonjour. Bonsoir. Alors, moi je voudrais que vous puissiez nous dire à quelle sauce nous allons être mangés. Parce que quand vous dites industrie verte, pour la plupart de nos téléspectateurs, pas pour moi parce que j'ai animé des émissions avec vous, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire, professeur Kassongo Numbi, en une minute? Ça veut dire tout simplement que dans la lutte contre le réchauffement climatique, tout ce qui émet le gaz à effet de serre, c'est-à-dire le CO2 qui chauffe, hein, comme quand vous êtes dans une voiture, les vitres fermées, vous sentez la chaleur, c'est quand ça l'effet de serre. Quand la voiture n'est pas climatisée. N'est pas climatisée, c'est ça l'effet de serre. Alors les vitres remplacent, dans l'atmosphère, ça remplace l'air. Alors quand l'air a beaucoup de gaz, comme le CO2, ça chauffe, comme dans une voiture. Alors, il faut éviter ça parce que ça change le climat et ça provoque les tempêtes. Alors, le monde entier a décidé de rendre tout vert, c'est-à-dire diminuer les gaz à effet de serre. Donc, il y a l'industrie verte, c'est-à-dire l'industrie qui ne travaille plus avec le pétrole qui émet les gaz à effet de serre, l'industrie qui travaille avec l'électricité propre, c'est-à-dire l'industrie qui ne vient pas de groupes électrogènes, mais l'industrie qui, dont l'électricité vient par exemple de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, surtout de l'énergie hydraulique. Donc tout ce qui travaille avec une telle électricité, on appelle ça industrie verte. Hein. J'espère pour la réalisation que le professeur qui a déplacé son micro est bien suivi, parce qu'à la place du micro, il a mis son appareil, son laptop. J'espère que tout va bien. Alors, professeur Béa, à cette étape de notre discussion, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour compléter le professeur? Bon, le prof a tout défini en ce qui concerne l'industrie verte, mais moi, je voudrais quand même juste insister sur le fait qu'il y a nécessité que notre pays soit industrialisé. C'est une volonté que le chef de l'État a exprimée l'année passée, quand il était en Chine, hein, au mois de mai de l'année passée. Il rêve que ce pays soit industrialisé. Maintenant, tant mieux si ce pays est industrialisé de manière verte, hein, parce que c'est dans l'industrie qu'on crée des richesses. Juste pour vous donner un chiffre rapidement, vous savez combien d'industries ou d'entreprises un État comme celui de la Corée du Sud a? Non. 7 millions. 7 millions. La Chine, 55 millions d'entreprises. Et nous, dans notre plan directeur d'industrialisation, on parlait de passer de 500 à 1000. Donc vous voyez que c'est important et urgent d'être industrialisé. Alors, professeur Kassongo Numbi, chiffres, commentez-les, s'il vous plaît. D'abord, quand il dit les autres sont dans 7 millions d'industries, et puis nous, on est dans les 500 seulement. Encore que, en France, par exemple, 93% sont des entreprises qui ont moins de 10 personnes. Et ça, c'est très important dans le pays développé. Donc, la moyenne est la petite entreprise. Ça
ça augmente les industries, hein, mais je ne sais pas dans le million cocotte. Il ne faut pas compter seulement le gros. Mais ici... Non, c'est tout. C'est tout, voilà. Donc, or, c'est ça qui absorbe le chômage. L'industrie verte a l'importance dans notre pays. Pourquoi? Parce que l'industrie minière est sélective, se trouve dans certaines provinces où il y a des minerais exploités et pas dans d'autres. Or, le fait que nous avons la cuvette centrale, c'est-à-dire les eaux viennent tous, partent des hautes altitudes de 1400 mètres d'altitude, comme le Kasaï, le Lualaba, le Bangui, tous partent des hautes altitudes. Vers. Et descendent oui, sur le plateau, au plateau. Voilà. Mm-hmm. À l'est, on est même à 4000. Mm-hmm. Les cours d'eau partent dans notre pays. C'est une chance que Dieu nous a donnée. Nous avons une cuvette centrale. Descendent jusque dans le collecteur central, le fleuve Congo. Vous savez, ça, Kinshasa, nous ne sommes qu'à 300. Du moins, le fleuve coule environ à 300 mètres d'altitude. Mm-hmm. Sachez que cette eau vient de 1400 mètres à Kolwezi. On est à 1400 mètres d'altitude où ça prend la source. Alors, en descendant, traversant toutes les provinces, et c'est comme ça, à Mobaye Mbongo, vous êtes aussi vers 1400 et tout. Donc, quand vous, alors, dans notre pays, nous avons ce don-là d'avoir une cuvette centrale, ça descend en traversant toutes les provinces, en traversant tous les territoires. Donc, ça crée de chutes, ça crée de rapides qui vont donner le courant électrique. Et c'est une commande d'avoir un pays comme ça, où toutes les eaux sont collectées dans une cuvette, en créant des chutes partout, ça nous donne l'électricité verte. Et ça tombe bien, depuis la conférence de Paris, on dit que maintenant on abandonne au fur et à mesure le pétrole pour aller vers l'électricité, l'hydrogène. Donc pour une fois, toutes les provinces du pays peuvent être électrifiées. Non, peuvent avoir l'industrie verte. Mm-hmm. Toutes. Même les territoires. Il n'y a pas un territoire, à mon avis, qui n'a pas un cours d'eau rapide. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que chaque territoire ou chaque province va exporter l'hydrogène. Vous savez qu'une tonne d'hydrogène coûte à peu près, au prix des détails, le double d'une tonne de cuivre. Donc chaque territoire va exporter de l'hydrogène, va exporter de l'ammoniac, et puis vendre aussi sur place, va exporter les engrais. Mm-hmm. Vous voyez Fortescue qui est parti d'un autre pays. Hier, je Fortescue, c'est qui? C'est une société australienne qui était prête à lancer cette industrie verte quand le chef de l'État lui a demandé en 2020. Mais bon, le contrat n'a pas été signé. Il est maintenant au Maroc pour produire les engrais qu'il allait produire ici. Et puis j'étais avec les Américains qui voulaient aussi produire, se lancer dans l'industrie verte. Les Angolais leur ont demandé, vendez-nous l'hydrogène, parce que pour raffiner le pétrole quand il vient de sous-sol, il y a beaucoup d'impuretés, notamment le soufre. Pour enlever ces impuretés, il faut de l'hydrogène. Donc nous avons un pays où chaque province va vendre l'hydrogène pour purifier le pétrole au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Cameroun, partout en Afrique et dans le monde. Mm-hmm. Chaque province, s'il vous plaît. Mm-hmm. Donc, d'où la nécessité de l'Inga, non? Oui, et pas seulement l'Inga. Nous avons des cours d'eau, comme j'ai dit, partout dans le pays. Oui, alors ça n'exclut pas... Inga, c'est le moteur. D'accord. Inga, c'est le grand moteur. Très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qui empêche l'émergence de cette industrie verte? Deux erreurs. La première est qu'on pense que l'électricité de Inga 40 000 MW suffit pour le Congo et tout le pays du monde. Mm-hmm.
et tous les pays africains. C'est faux et archi faux. Vous savez, M. Kibambi, la moyenne, hein, la moyenne africaine est de... De consommation. De consommation est de 403 kWh par personne et par an. Ça, c'est la RDC, 403 kWh. Mmh. La moyenne, c'est 3851. Imaginez-vous, la moyenne africaine, c'est 3851 kWh par personne et par jour et par an. Mmh. Tandis que la RDC, c'est 403 kWh par personne et par an. Donc, 10 fois moins que la moyenne africaine. Supposez qu'on prenne la moyenne africaine comme norme à laquelle nous devons tendre, cela, il nous faudra avoir une puissance de 44 000 mégawatts. Or, Inga n'a que 40, du moins c'est autant que Inga, disons. C'est dans la marge possible. Donc, rien qu'avoir comme besoin domestique, pas industriel, besoin domestique et pas d'une grande norme comme d'un pays émergent comme l'Afrique du Sud, comme l'Inde. Non, la moyenne africaine où on a le Burundi et tout ça. Donc la moyenne là, pour avoir ne fût-ce que la moyenne, il nous faut une puissance installée de 44. Donc autant qu'Inga. Maintenant, si on y met, comme le professeur Beyala a toujours dit, que l'industrie consomme 70%, les ménages, la 44, c'est seulement pour les ménages. Vous savez combien en Afrique du Sud les ménages consomment? Non. 15% seulement. Le reste, c'est pour l'industrie et les services. Donc, rien que les ménages, nous consommerions tout Inga. Maintenant, si on y ajoute l'industrie et qu'on fige notre population à 100 millions, elle a une croissance de 3% par an. Mm-hmm. Si on la fige à 100 millions pendant 10 ans, nous allons devoir consommer plus autour de 200 000 mégawatts. Donc, Inga... Non, je ne sais pas. Vous-même, vous me l'avez dit, que vous aviez interviewé Tchekanta Diop. Ouais. Il vous avait dit, sortant de Mobutu, que... Inga peut suffire pour le Congo et pour l'Afrique. On attend que Inga puisse éclairer toute l'Afrique, avait dit. Voilà. Quand vous me l'avez dit, j'ai réfléchi. À l'époque où il l'avait dit, j'ai compté, il y avait 360 millions d'habitants en Afrique. Dont la consommation totale de l'Afrique à l'époque, c'était 16 000 mégawatts. C'est complètement dépassé. Alors il a pensé, comme Inga a 40 000 mégawatts, et qu'à ce moment-là, toute l'Afrique ne consommait que 16 000 mégawatts, c'était normal qu'à ce moment-là, ils disent qu'avec 40 000, on peut alimenter toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Maintenant, l'Afrique a 1 milliard d'habitants et ça augmente. Et Inga ne suffira pas. Et le besoin s'augmente parce qu'à l'époque de Tchekanta Diop, on ne chargeait pas de téléphone. Voilà. Donc la consommation a augmenté. À l'époque de Tchekanta Diop, très peu de gens avaient des réchauds électriques. Mm-hmm. On avait des fers à repasser avec charbon. Donc maintenant, les fers sont électriques. Donc c'est un pays ne peut pas rester sur une interview faite dans les années 80, c'était dans les années 80, et dire non, Tchekanta Diop l'avait dit et ça se trouve dans tous les ministères. Non, la population a augmenté et va continuer à augmenter. Et les besoins ont augmenté. Et les besoins. N'est-ce pas, professeur? C'est totalement vrai parce qu'en fait, il faut déjà savoir que l'idée d'exploiter le site d'Inga, ce n'était pas d'exporter l'énergie électrique, c'était pour en raffiner les produits miniers qui viendraient du sud et de l'est. Et ça date de presque 100 ans, de 1925. Ça, c'est l'idée. C'est même pour ça que le président Mobutu, à l'époque, parlait
de la zone franche d'Inga. Mm-hmm. Ce n'était pas l'idée d'exporter l'énergie dans le monde entier. Maintenant, il y a cette histoire qui est venue, c'est pas moi, hanter l'esprit des uns et des autres, comme quoi on peut alimenter le monde entier avec notre énergie. Encore un chiffre. La Chine produit par an 8 500 TWh d'électricité. Comment? TWh, c'est 10 exposant 12. Oui. Alors, compliqué nous, aujourd'hui... C'est-à-dire milliards, quoi. Oui, non, oui. C'est 1000 milliards. TWh, c'est 10 exposant 12. C'est 1000 De quoi? 1000 milliards. Des kilowattheures ou non, des mégawattheures? Non, des terawattheures. Non, c'est 1000 milliards de quoi? 1000 milliards de... Des kilowattheures ou des mégawattheures? Des mégawattheures. Des kilowattheures. Des mégawattheures. Alors, maintenant, nous, actuellement, nous produisons 11 terawattheures avec ce que nous avons. Si nous mettons tout Inga, donc avec les 44 000 mégawatts, ça nous fera 380 terawattheures. Donc, la Chine produit 8500. Si nous, Inga, tous les 8 Inga sont finis, nous sommes à 380. Maintenant, vous voulez alimenter le monde. Vous avez déjà entendu que la Chine qui a 20 fois plus. Vous avez dit, c'est quoi? 8500. Nous, c'est 386 Inga est fini. Donc, presque 3 à 30... Bon, c'est 30 fois. Vous doublez, voilà, voilà. 30 fois. 30 fois. Nous avons 30 fois moins. Moins. Et nous prétendons que nous pouvons alimenter le monde entier. Ça, c'est si Inga est fini. Si le grand Inga est terminé. Alors, ceux qui ont 30 fois. Même pas de ces ambitions-là. Non, ils sont clairs. Voilà. Oui. Donc c'est carrément la folie des grandeurs, hein, on peut dire. Mm-hmm. Hein, la grenouille qui veut se faire plus grosse. Que le bœuf. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Oui, mais vous me dites, en même temps, vous me dites, professeur, que le président de la République avait eu cette idée lumineuse et puis cette idée n'a pas abouti. Quels sont ses ennemis qui sont là, j'ai donné ta première erreur. Oui. Je pensais que le peu de courant, comme nous venons de le montrer avec le professeur sur les chiffres, ne suffit pas. La seconde erreur. Et de penser que quelqu'un peut investir pour produire le courant électrique sans savoir à qui il va le vendre. C'est là, c'est l'erreur. On appelle les Chinois et les Espagnols, ils viennent et disent, oui, vous voulez qu'on construise Inga 3, 11 050 mégawatts. Qui va consommer? La ville de Kinshasa, 700, ok. Le Katanga, 1000. L'Afrique du Sud, 2500, bon, vous êtes autour de 4000. Et puis, il y a 11 000 à produire. Alors, la Banque africaine dit, non, produisez 4800, hein, autour de ce que vous avez là. Ah, l'Afrique, la BAD a dit, comme vous ne pouvez vendre que 4400 ou quoi, bon, produisez 4800. Donc, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, tout le monde sait que nous n'avons pas à qui va consommer. C'est ça l'échec de l'ADP, parce que l'ADP a été créée comme agence pour le développement d'Inga. Or, jusqu'ici, il n'a pas encore développé. Pourquoi? Parce que tous les développeurs demande qui va consommer. C'est là que le chef de l'État actuel a résolu le problème. Il a dit, en 2020, on lance l'industrie verte, c'est-à-dire un consommateur. Parce que l'industrie verte, comme j'ai dit, va produire l'hydrogène vert que tous les pays pétroliers demandent pour purifier leur pétrole, va produire les engrais, va produire l'ammoniac qui sert dans tous les explosifs et tout, et que ça, chaque pays peut produire, et chaque province peut produire. Ce qui veut dire quoi? Avec cette idée de chef de l'État, de produire, d'installer l'industrie verte qui va consommer, du coup,
le monde entier a dit, ah, la RDC a trouvé qui va consommer. Les Australiens sont venus. Les Français, avec la plus grande entreprise d'hydrogène, Hydrogène de France, sont venus, je les ai rencontrés, ils ont fait 6 mois ici, ils se sont découragés, ils sont partis. Les Allemands sont venus, quand les Allemands sont venus, vous m'avez invité, on a discuté. Maintenant, il y a d'autres pays, plusieurs d'ailleurs, qui veulent développer, parce qu'au moins, on sait que si on produit l'électricité, on va le vendre. C'est ça l'idée du chef de l'État que nous soutenons. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce pour qui que s'est passé? Cette idée puisse s'évanouir comme ça. Si je peux le dire, parce qu'il faut le dire en fait, parce que ça dépend. Avec l'industrie verte, notre pays, à mon avis, sera la plus grande puissance économique. Pourquoi? Parce que depuis tout le temps, c'est celui qui a l'énergie qui est la plus grande puissance. Avant, quand c'était les esclaves, c'est ceux qui en avaient beaucoup. Et puis, on a découvert la machine à vapeur. C'est l'Angleterre qui a découvert la machine à vapeur. Une énergie supérieure à l'énergie musculaire qui est devenue la plus grande puissance économique à l'époque. Et puis, on a découvert le pétrole. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui sont le plus grand producteur, avec la Russie, avec les pays du Golfe. On voit tous qu'il n'y a pas de doute. En Afrique, le Nigeria est la plus grande puissance économique à partir de quoi? À partir du fait que c'est le plus grand producteur de l'énergie. Et puis, dans notre région de l'Afrique centrale, la plus grande puissance, c'est quoi? C'est l'Angola, grâce à son énergie. Or, ces énergies grises, donc pétrolières qui polluent, doivent être remplacées par l'hydrogène. Et ça sera la RDC, le plus grand producteur de la nouvelle énergie. Donc, à mon avis, ça va se faire comme ça, c'est fait, parce que vous ne pouvez rien faire. Même quand nous parlons ici, les gens nous voient, c'est parce qu'il y a l'électricité, il y a l'énergie. Donc, s'il y a les avions, il y a les armes, tout, c'est l'énergie. Donc, comme la RDC, il n'y a aucun doute, c'est le seul pays qui va produire entre 10 et 20 millions de tonnes d'hydrogène vert par an, là où les 27 pays d'Afrique et d'Europe, de l'Union européenne, ont promis de ne produire que 10 millions. La RDC peut produire autant ou le double. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez. Ben oui. Notre chance avec la concurrence. Elle est à saisir tout de suite. Alors, qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce qui a freiné? Ce qui a freiné, personne ne le comprend. Personne. Le chef de l'État s'est battu presque seul pendant 4 ans. Alors, comme à l'université, nous avons compris qu'il a raison. Non seulement Inga peut déjà nous enrichir, mais chaque province aura son industrie verte. Et c'est la seule façon qui va faire que chaque province ait l'électricité. Cette idée de penser qu'on peut avoir l'électricité sans industrie qui consomme est fausse. C'est pourquoi Inga 1 et Inga 2, on a envoyé le courant où? Au Katanga. Au Katanga. Oui, il y a une industrie. Oui, c'est comme ça dans le monde entier. Cette idée qui habite certaines personnes de penser qu'on peut développer l'électricité sans industrie est fausse. Or, il n'y a pas de mines partout. Maintenant, cette idée qu'a lancée le chef de l'État de l'industrie verte, ça ferait où? Mais quand un chef de l'État lance une idée, ce n'est pas à lui de dire on va faire l'industrie verte comment. C'est l'entourage qui va dire on va la faire comme ceci, comme cela. Avec les universitaires, avec les connaisseurs. Non, l'entourage c'est quoi? Moi je peux ne pas connaître. Je vais... C'est les gens qui connaissent. Le chef de l'État veut, par exemple, il a dit, il faut que le sol prenne la revanche sur le sous-sol. À ce moment-là, c'est l'entourage qui dit, maintenant on va
comment nous allons nous comporter pour que cette idée puisse effectivement... Moi, je ne peux pas dire au chef de l'État que, comme vous voulez électrifier tout le pays, dites-nous comment on va le faire. Non, le chef de l'État lance la vision. Lance ce qu'il veut. J'ai promis à la population que je vais créer des emplois. Or, en créant l'industrie dans chaque territoire, dans chaque province, le programme des 147 territoires qu'il a lancé se met debout. Parce que chaque territoire va commencer à vendre de l'ammoniaque, va commencer à vendre des engrais. Parce que, comme je vous dis, le Maroc, c'est seulement 300 000 tonnes d'hydrogène par an. Or, notre pays peut faire de 10 à 20 millions de tonnes par an, même plus. Si je prends les chiffres qu'on a donnés l'année et en 2022 à Londres, que la technologie va faire qu'on ne consomme que 20 mégawattheures pour produire une tonne d'hydrogène. Mm-hmm. Professeur, on peut arriver jusqu'à 30 millions de tonnes. Aucun pays au monde, je n'ai entendu ça. Le seul, les Émirats arabes unis avec leur parc, ils disent que dans 10 ans, ils vont produire 1,5 million. C'est le chiffre le plus grand que j'ai entendu dans le monde. La France est à 800 000, comme l'Allemagne. Je n'ai pas entendu un pays qui parle d'un million en dehors des Émirats arabes unis, 1,5 million. D'accord. Or, la RDC, c'est entre 10 et 30 millions de tonnes par an. Professeur. C'est pourquoi nous soutenons cette idée. Oui, professeur. Vous n'avez pas l'impression que le Congo refuse de se développer? On a un gros problème des ressources humaines, hein, avec une mentalité, on dirait, appelée à rester à la traîne. La preuve, notre économie n'est pas dans les mains des Congolais. Donc il y a un travail considérable à faire. Nous avons travaillé à calculer une fois avec le prof Kasongo, hein, avec une telle production, on peut avoir au minimum un budget de 300 milliards de dollars par an. C'est quelque chose. Tout à fait. D'ailleurs, prof, on avait calculé sans l'effet d'entraînement. Sans l'effet, exact. Si on ajoute l'effet d'entraînement, exact. Oui, pour continuer. Je dis minimum. Non, j'ai terminé mon intervention. C'est juste pour dire, voilà, on passe toujours à côté de toutes les chances que Dieu nous accorde. Et je pense que c'est... Et le professeur Kasongo Lumbi, ce n'est pas la première fois qu'il nous parle de ce sujet, a élaboré quelque chose qui a été avalisé par ses collègues professeurs. Je vous propose de suivre 5 minutes de ce travail. L'hydrogène, qui a toujours été considéré comme le carburant du futur, a déjà commencé à remplacer les hydrocarbures fossiles dans presque tous les domaines énergétiques. Ce désir de changement n'est pas seulement manifesté par l'industrie qui utilise abondamment ce gaz depuis plus de 40 ans. Désormais, l'hydrogène séduit aussi les gouvernements qui réalisent qu'une économie neutre en carbone à l'horizon 2050 n'est pas envisageable sans lui. D'après l'Université de Kinshasa et le collectif des professeurs émérites de tout l'enseignement supérieur et universitaire du pays, ceci est une opportunité pour la RDC d'être le plus grand producteur d'hydrogène vert d'Afrique, voire du monde, plus de 10 millions de tonnes d'hydrogène vert par an, grâce à son potentiel hydroélectrique exceptionnel qui permet de produire l'hydrogène et l'oxygène par l'électrolyse de l'eau. En effet, son potentiel hydroélectrique exceptionnel, plus de 100 gigawatts, lui permettra de produire annuellement plus de 10 millions de tonnes d'hydrogène vert et l'oxygène par l'électrolyse de l'eau. Il ne fait plus aucun doute que l'hydrogène vert est le nouveau carburant d'aujourd'hui et de demain qui est en train de remplacer des hydrocarbures fossiles. Chaque nation utilise tous ses moyens pour être un des plus grands producteurs de cette nouvelle source d'énergie. Notre pays ne doit plus attendre. En effet, cette nouvelle énergie procurera à la RDC des revenus annuels de l'ordre de plusieurs dizaines, voire centaines, de milliards de dollars américains, pouvant ainsi faire d'elle une des économies les plus florissantes d'Afrique. Pour y arriver, la RDC doit construire, au fur et à mesure, des centrales hydroélectriques sur toutes les chutes, petites et grandes. L'électricité produite par ces centrales permettra, d'une part, à alimenter les zones avoisinantes pour l'éclairage et à développement de la petite et la moyenne entreprise, et, d'autre part, à servir comme intrant à la production de l'hydrogène vert et ses dérivés, ammoniac vert, engrais vert, etc. Donc au lancement de l'industrie verte dans le pays. Pour pouvoir acheminer ces produits à haute valeur marchande aux consommateurs intérieurs et extérieurs,
Il faudra s'affranchir des biefs non navigables où ont été construits des centrales hydroélectriques par des ascenseurs à bateaux tels que celui construit par les Chinois au niveau de la centrale hydroélectrique de Trois Gorges sur le fleuve Yangtze et Sekiang pour relier la Chine orientale à la Chine occidentale. Les principaux biefs non navigables sur lesquels les ascenseurs à bateaux seront érigés, et qui ne sont pas les seuls, sont Kinshasa Matadi, Ubundu Kisangani, Kongolo Kasongo. Un port en eau profonde de plus de 20 mètres de tirant d'eau pour recevoir de gros bateaux à hydrogène sera érigé à Banana. Ce port permettra aux bateaux venant de l'étranger d'atteindre Banana sans faire escale, ce qui va réduire le délai et le coût de transport des marchandises en les divisant par 3. Il permettra ainsi de lancer et d'intensifier des échanges commerciaux internationaux de toutes les provinces, désormais désenclavées par des ascenseurs à bateaux. Ainsi, en construisant des centrales hydroélectriques et des ascenseurs à bateaux sur toutes les chutes du pays, la RDC fera, à terme, d'une pierre, au moins, 3 coups. 1. La fourniture de l'électricité pour les besoins domestiques, pour servir les véhicules électriques à batterie et à hydrogène à venir et pour autres besoins économiques du pays. 2. L'installation de l'industrie verte produisant des marchandises à haute valeur marchande, telles l'hydrogène vert, l'ammoniac vert, les engrais azotés verts, le méthanol vert, etc., qui feront de la RDC une de grandes puissances économiques du continent. 3. Le désenclavement de toutes les provinces et de toutes les régions du pays car les ascenseurs à bateaux permettront à chaque coin du pays d'être relié, par des voies d'eau très peu chères, aux autres provinces et aux ports en eau profonde de Banana. Ainsi, les habitants de tout le pays seront à mesure de mener des activités commerciales et d'affaires, non seulement entre eux, mais aussi avec le monde extérieur. Par exemple, les habitants de chaque province importeront des marchandises qui arriveront au port de Banana, ensuite seront embarqués dans des bateaux qui les amèneront chez eux où ils les dédouaneront. Les formalités administratives d'exportation et des opérations y afférentes seront également réalisées localement dans chaque province du pays. Le pays va ainsi faciliter à ses habitants d'augmenter sensiblement leurs revenus annuels, en les multipliant, à terme, par plus de 10. Pour atteindre tous ces objectifs dans une ou deux décennies, il faudrait commencer déjà à lancer l'industrie verte pour laquelle des ports modernes dans toutes les provinces du pays seront construites. Plus concrètement, il faudra construire un port moderne à Kinshasa sur le fleuve Congo. Un autre à Bandundu sur la rivière Kasai pour désenclaver les provinces du Kwilu et du Kwango. Un autre port moderne devra être érigé à Inongo, sur le lac Maïndombé, pour relier la province de la Maïndombé au port en eau profonde de Banana. Le port moderne de Mbandaka, sur le fleuve Congo, reliera directement la province de l'Équateur, grâce aux ascenseurs à bateaux érigés entre Kinshasa et Matadi, au port en eau profonde de Banana. Un port moderne dans la ville de Boende, sur la rivière Tchouapa, servira à connecter la province de la Tchouapa, non seulement aux autres provinces du pays, mais aussi au monde entier. Le port de Lissala, sur le fleuve Congo, désenclavera les provinces de la Mongala et du Sud-Ubangi. La province du Sud-Ubangi sera aussi désenclavée par un port moderne dans la ville de Zongo sur la rivière Ubangi. Quant à la province du Nord-Ubangi, il faudra, pour la désenclaver, ériger au moins un port moderne dans la ville de Mobeyimbongo, sur la rivière Ubangi où il y aura aussi un ascenseur à bateau au niveau de la centrale hydroélectrique qui sera réhabilitée et couplée aux usines de production d'hydrogène vert et ses dérivés, ammoniac, engrais vert, etc. Un port moderne sur la rivière Itimbiri à Bouta, ou à Akéti, et un autre sur la rivière Ouélé serviront à relier la province du Bas-Ouélé au port de Banana et aux autres provinces du pays. Un autre port moderne sur la rivière Ouélé, près de la ville d'Iziro, servira à désenclaver la province du Haut-Ouélé en la reliant au reste du pays et au port en eau profonde de Banana. Un port moderne en eau profonde à Bouta et des ascenseurs à bateaux au niveau de la centrale hydroélectrique sur le Lualaba, fleuve Congo, entre Bouta et Ubundu ouvrira la province de la Tchopo aux autres provinces de l'Est, du Sud et de l'Ouest du pays ainsi qu'au port en eau profonde de Banana. La province de Ituri sera reliée au port en eau profonde de Banana via les voies de désenclavement de la province de la Tchopo et du Haut-Ouélé et à celle de désenclavement de autres provinces de l'Est et du Sud du pays. Un port moderne sur la rivière Kasai contribuera à ouvrir la province du Kasai aux provinces de l'Ouest du pays ainsi qu'au port en eau profonde de Banana. Il faudra des ports modernes sur les rivières Lulua près de la ville de Kananga et sur la rivière Kasai à Ilebo pour désenclaver la province du Kasai central. Des ports modernes sur les rivières Mbujimayi et Lubilanchi contribueront à l'ouverture de la province du Kasai oriental aux autres provinces du pays ainsi qu'aux ports en eau profonde de Banana. Pour désenclaver la province du Sankuru, l'installation d'un port moderne au moins à Lusambo sur la rivière Sankuru est obligatoire. Des ports modernes sur les rivières Lomami et Lubulanchi ouvriront la province de la Lomami aux autres provinces du nord, du sud et de l'ouest du pays ainsi qu'aux ports en eau profonde de Banana. Pour relier la province du Haut-Lomami aux ports en eau profonde de Banana ainsi qu'aux autres provinces du pays,
il faudra ériger des ports modernes sur le Lualaba, fleuve Congo, à la ville de Bukama et à celle de Malemba Nkulu, ainsi que des ports modernes sur la rivière Lomami, près de la ville de Kabongo, et sur la rivière Lubulanchi près de la ville de Kanyama. Le port moderne est de grande capacité sur le fleuve Lualaba, fleuve Congo, dans la ville de Bukama et éventuellement des ascenseurs à bateaux au niveau des centrales hydroélectriques situées sur le fleuve Lualaba, fleuve Congo. Et un port moderne à Kolwezi serviront à relier directement la province du Lualaba au reste du pays et surtout au port en eau profonde de Banana. La province du Haut-Katanga sera reliée au port en eau profonde de Banana par au moins un port moderne sur la rivière Luapula à Kasanga et les rivières Luvua et Luapula près de Pweto. Elle pourrait aussi se servir du port moderne de la ville de Bukama pour s'ouvrir par les voies d'eau aux autres provinces du nord et de l'ouest du pays. Un port moderne sur le lac Tanganyika à Kalemi et des ports modernes à Kongolo, à Ankoro et à Kabalo sur le Lualaba, fleuve Congo, achèveront l'ouverture quasi totale de la province du Tanganyika au reste du pays et au port en eau profonde de Banana. Pour relier la province du Maniema aux autres provinces du pays ainsi qu'au port en eau profonde, il faudra ériger un port moderne à Kindu sur le fleuve Lualaba, fleuve Congo. La province du Sud Kivu sera désenclavée grâce au port moderne sur le lac Tanganyika à Uvira à Bukavu sur le lac Kivu et aussi à l'aide des ascenseurs à bateaux au niveau de centrales hydroélectriques de Ruzizi 1, Ruzizi 2 et Ruzizi 3. Le désenclavement de la province du Nord Kivu se fera aussi par un port moderne sur le lac Kivu et par des voies d'eau qui contribueront au désenclavement des provinces voisines comme celle du Maniema, du Sud Kivu et de la Tshopo. Les trois provinces de la partie et du pays, à savoir Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu ainsi que les autres régions du pays qui seraient toujours enclavées seront rattachées au réseau national de navigation par des canaux artificiels équipés, le cas échéant, d'ascenseurs à bateaux et des plans inclinés comme celui de Ronquière en Belgique sur le canal du Centre. Ces ouvrages d'affranchissement, ascenseurs à bateaux, plans inclinés et éventuellement des écluses, seront construits par des développeurs eux-mêmes de l'industrie verte sur des sites où ils travailleront afin de leur permettre d'exporter leurs produits et d'importer des machines et autres intrants nécessaires à leurs industries. Le gouvernement congolais va seulement veiller à ce qu'il soit inclus dans les contrats à signer. Donc ce projet peut se mettre en route presque sans dépenses ni endettement de l'État congolais mais seulement avec sa volonté d'entrer dans ce monde nouveau de l'hydrogène vert. Il lui est seulement demandé de négocier et de signer, dès maintenant, des contrats gagnant-gagnant avec des investisseurs qui sont prêts et qui attendent. Les autres investisseurs qui voudront venir seront les bienvenus car le pays est grand et les chutes d'eau abondent partout dans le pays. Toutes ces réalisations qui vont permettre à la République démocratique du Congo d'émerger ne seront possibles que grâce au nouveau paradigme prôné par les autorités du pays depuis 2020, à savoir, l'électricité produite servirait comme intrant pour alimenter l'industrie, en l'occurrence, l'industrie verte. En effet, depuis l'indépendance, notre pays a tenté en vain de développer ses sites hydroélectriques sans indiquer aux investisseurs éventuels les industries qui consommeraient l'énergie électrique à produire. C'est pourquoi le pays éprouvait de la peine à trouver des investisseurs pour développer ses sites hydroélectriques, celui d'Inga en tête. En effet, qui produirait de l'électricité sans s'assurer préalablement qu'il y aura des consommateurs sûrs et solvables qui l'achèteraient à un prix lui permettant de réaliser un bénéfice ? Personne. C'est ainsi que le nouveau paradigme lancé par les autorités en 2020 indique clairement aux investisseurs que l'électricité qu'ils produiront sera consommée par l'industrie verte et par les éventuelles autres industries ainsi que par les ménages. Ainsi les revenus importants que produiront les industriels couvriront des manques à gagner éventuels causés par des ménages qui achèteraient l'électricité au prix fixé par l'État. Désormais, les investisseurs se présentent eux-mêmes et attendent l'accord du gouvernement parce qu'ils savent qu'ils ne travailleront plus à perte. Les professeurs émérites de tous les instituts supérieurs et universités du pays appellent instamment nos autorités à accepter d'entrer dans ce nouveau monde de l'industrie verte prôné par la COP21 tenue à Paris en 2015 et par toutes les COP qui s'en sont suivies. En effet, tous les pays du monde le font aujourd'hui, les États-Unis et l'Union européenne, en tête, auxquels il faut ajouter les pays actuels du BRIC, à savoir, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran et les Émirats arabes unis. Les professeurs demandent seulement au pouvoir de négocier et de signer, dès maintenant, des contrats gagnant-gagnant avec des investisseurs qui seraient prêts à démarrer le plus tôt le lancement de cette industrie. Les autres investisseurs qui vont venir seront les bienvenus car le pays est grand et les chutes d'eau abondent partout. Il faut souligner que, contrairement à l'industrie minière qui est sélective, l'industrie verte va fleurir dans chaque province du pays, si pas dans chaque territoire. En effet, il n'y a au pays aucune province qui manquerait des cours d'eau et des chutes, grandes ou petites, pouvant fournir ensemble une puissance hydroélectrique d'un minimum de 50 MW, nécessaire pour le lancement de l'industrie verte locale. Au fur et à mesure que ces accords seront signés, tout le pays sera un chantier industriel, marché d'emploi, de biens et de services, au grand bonheur de ses habitants et des investisseurs. En outre,
Ces biefs rendus navigables permettront aussi aux paysans de vendre à l'intérieur et à l'extérieur du pays leurs produits agricoles, piments, avocats, aloe vera, oignons, patates douces, café, cacao, etc. Les autres pays africains le font déjà, par exemple, la Zambie exporte l'aloe vera, le Kenya, les avocats et les fleurs, la Côte d'Ivoire le cacao, la Tanzanie exporte le sisal, etc. Grâce au partenariat que nos universités ont signé et signeront avec les autres universités du monde telles que celui que l'université de Kinshasa a signé avec la plus grande université francophone d'Israël, Collège Académique de Netanya, en 2021, nos étudiants et nos enseignants feront des échanges des connaissances dans tous les domaines. Les nouvelles connaissances acquises dans le domaine de l'agriculture, par exemple, seront enseignées aux paysans du pays. En effet, les paysans congolais devront connaître et se conformer aux techniques de culture intense, de conservation et de conditionnement de leurs produits agricoles afin qu'ils répondent favorablement aux critères et contraintes environnementales, phytosanitaires et autres qui leur permettront d'être acceptés sur les différents marchés mondiaux, pays d'Europe, de Moyen-Orient, d'Asie, d'Océanie et pays d'Amérique, sans oublier les pays d'Afrique qui en auront besoin. Le fonctionnement des organes de l'État issus des élections communales et locales qui ont eu lieu en décembre 2023 faciliteront l'encadrement des paysans par nos universités et instituts supérieurs et feront vivre l'État dans ces entités territoriales décentralisées qui se sentaient jusqu'ici abandonnées. Chaque paysan amènera ses produits agricoles et de la pêche, sur vélo, moto, pirogue ou chariot, etc. au port moderne de sa province. En chiffres, à titre d'exemple, les paysans de la Côte d'Ivoire gagnent entre 12 000 et 14 000 dollars américains par hectare et par an en vendant le piment, bec d'oiseau. Ce qui fait en moyenne 1 000 dollars américains par mois. Ainsi, un paysan qui ne paie pas de loyer dans son village et qui y mange ce qu'il produit, possède une capacité d'épargne égale ou supérieure à celle d'un ingénieur en Europe qui touche 3 000 euros par mois dont la moitié passe en loyer, sans compter la nourriture qu'il achète et autres charges. Il faut également souligner que l'intérêt de ce projet n'est pas seulement financier. Il est aussi politique, géopolitique et géostratégique. En effet, il respecte le principe de l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo et de l'intangibilité de ses frontières héritées de la colonisation telles que gravées en marbre dans la charte de l'Union africaine. Car, aucune cession d'une partie de la République, même momentanée, sous forme d'un bail emphytéotique, par exemple, n'est envisagé ni envisageable conformément aux prescrits de la Constitution. Les professeurs émérites de la République et l'Université de Kinshasa appellent les autorités du pays à y veiller. Ainsi, le monde universitaire du pays voudrait voir nos universités et nos instituts supérieurs démarrer aujourd'hui déjà, ensemble avec les autres universités du monde avec lesquelles ils sont en partenariat, ne fût-ce que les études de préfaisabilité de la chaîne de valeur de l'industrie verte. Pendant ce temps, les autorités du pays travaillent à trouver des investisseurs sérieux dans ce projet d'industrie verte qui peuvent venir et travailler sous accord gagnant-gagnant sans trop attendre. Document conçu et élaboré en 2023 par le professeur Kassongo Numbi avec l'appui des professeurs émérites des universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo avec le soutien de l'Université de Kinshasa. Quel est ce téléspectateur qui nous a suivis, qui ne se retrouve pas dans ce travail? Je vous pose la question. Tout le monde se retrouve dans ce travail et donc les 145 territoires sans électricité, je crois que c'est un rêve debout. Si je me suis permis d'aller jusque-là, c'est parce que j'ai été convaincu par ce travail que les deux professeurs, Béa Kamba et Kassongo Numbi sont venus nous présenter ici. Ce pays, professeur Kamba, est un pays véritablement scandale, un don de Dieu, non? Il va que maintenant, ça soit un scandale pour les êtres humains, les Congolais, les Congolaises qui vivent sur ce pays, qui puissent profiter de leurs richesses. Et ces documents nous indiquent aussi l'importance qu'il y a à ce que le gouvernement se repose sur l'institution universitaire. C'est que l'on ne fait jamais. Hein. On peut piquer un professeur à gauche, à droite, pour travailler, comme indépendamment, conseiller. Comme conseiller ou quelque chose comme ça. Mais non, il faut que vraiment l'État se comporte comme tous les autres États du monde entier où les grands défis du pays, de la nation, sont résolus au niveau des institutions universitaires hein, de leur pays. Professeur Kassongo Numbi, un mot de conclusion. Je crois que vous avez bien conclu. Je n'ai plus rien à ajouter. Je vous sens
un peu comme... Non, parce que votre question essoufflé. Revient. Si le chef de l'État lui-même a voulu que ceci commence en 2020, d'après le programme qu'on avait eu d'un investisseur, la production de l'ammoniac, de l'hydrogène et tout ça devait commencer 4 ans après, donc en 2024. Si le chef de l'État n'avait pas eu de pesanteur, aujourd'hui, on ne serait pas à dire il faut que ça commence. On allait voir les provinces les unes des autres produire et vendre. En ce qui concerne les ascenseurs à bateaux, il y a un pays, parce que pour le moment, on ne peut pas le citer, c'est encore dans les négociations, qui a offert de construire tous les 26 ports au minimum dans chacune des provinces et des ascenseurs à bateaux, parce que l'idée c'est quoi? C'est quand il y a rupture des navigations parce qu'il y a une chute, c'est un défi. En y produisant l'électricité, l'hydrogène, l'ammoniac, etc. Et en y mettant un ascenseur à bateau, ça devient une opportunité. Tout à fait. Donc, nous, ce programme transforme les défis en opportunités. Merci, professeur Kasongo-Numbi. Vous avez dit que c'est un projet géostratégique. Est-ce que les autres... nous-mêmes, nous avons été un frein à un moment. Est-ce que les autres nous permettent de faire ça, même si nous avions la volonté? C'est comme je vous ai dit, que ce soit à titre individuel... Non, je dis les autres pays. Non, je vous ai dit là l'autre jour, que ce soit à titre individuel, vous ne pouvez pas demander aux gens du quartier de vous aider à devenir plus riches, plus puissants qu'eux. Ce n'est même pas... envisageable. Donc... c'est la même chose au niveau des nations. Et puis, vous savez comment nous sommes humiliés comme nation. Est-ce que les gens peuvent accepter? Je vous ai dit que le pays, là, je vous ai cité le pays qui assiège nos autorités. L'hydrogène, ne le commencez pas. Alors qu'ils sont de l'Union européenne ou européens. Je vous ai dit qu'un de pays... il a lancé son roadmap, c'est l'Angleterre, a lancé son roadmap en le 23 décembre 2023. Qu'est-ce qui est écrit dans cette feuille de route? Que l'Angleterre va consacrer 60% de l'électricité pour la production d'hydrogène à la méthode d'électrolyse de l'eau. 60%, 40% par la production de l'hydrogène par d'autres méthodes, mais 60% par la méthode de la production. Alors, il aurait fallu que ces gens-là qui viennent de l'Angleterre déconseillent d'abord leur propre gouvernement que comment vous allez prendre 60% les mettre dans l'électrolyse de l'eau qui n'est pas encore mûre. Or, ça fait plus de 100 ans qu'on fait l'électrolyse de l'eau. Il est électricien, je parle sous son autorité. Même quand on était étudiant, on faisait l'électrolyse. Ça fait... Ils n'ont pas empêché le gouvernement. Et puis un autre, c'est la Belgique. La Belgique qui est aujourd'hui occupée à élargir, à modifier le port d'Anvers pour recevoir l'hydrogène produite par l'électrolyse de l'eau venant de la Namibie. Pourquoi ces Belges ne vont pas en Namibie pour dire non, l'électrolyse de l'eau, ce n'est pas encore une technologie mûre. Pourquoi ces Belges ne disent pas à leur gouvernement? Si on avait le temps, j'allais vous montrer des photos que la RTBF, donc la radio, la télévision belge, a projetées de la visite en février 2022 du président namibien vérifiant l'aménagement du port d'Anvers pour y envoyer l'hydrogène produit par l'électrolyse de l'eau. Je vous ai expliqué pourquoi on ne veut pas de la RTC.
Parce que la RDC, quand elle viendra sur le marché de l'hydrogène, si le chef de l'État avait été suivi... La RDC dominera le monde. Oui. Si le chef de l'État avait été suivi et qu'en 2024, on commençait déjà à produire, tout le monde sait que là où les Émirats Arabes Unis apporteraient que 1,5 million, la RDC apporterait des 10 à 20 millions. Et puis, s'il vous plaît, les études faites par le professeur Arnaud de l'Université de Liège, avec lequel j'ai déjeuné en 2009, mais quand je voulais le voir en 2022, on m'a dit qu'il venait de mourir. Le professeur Arnaud démontre que le courant au Congo, surtout sur le site d'Inga, est 4 à 10 fois moins cher. Donc non seulement la RDC, tout le monde sait qu'elle peut apporter 10 à 30 millions de tonnes où les autres n'apportent que quelques centaines, comme le Maroc, là où Fortescue est parti, 300 000 tonnes, comme la Namibie, qui ne va apporter. La RDC peut produire des 10 à 20 millions et 4 à 10 fois moins cher. Un homme comme ça, si lui-même ne décide pas, personne n'est validé. D'accord. Professeur Kassongo, je vous remercie. Professeur Béa Kamba, je vous remercie d'être venu présenter cette idée à la communauté nationale. J'espère que cette fois-ci, parce que je voudrais que cette cassette puisse se promener partout, j'espère que ceux qui ont gêné ce produit, ce projet, seront gênés. Je vous remercie. Merci à vous.